C'est la mi-temps sur ce score de 0 à 0 entre les... Restez à vos places et profitez du spectacle. C'est terminé sur ce score de 1 partout entre la Bielsaux et Amiens. Sentiment, c'est déjà de féliciter mes garçons d'avoir pris un point dans des conditions très difficiles avec une semaine avec des joueurs qui tous les jours étaient absents pour cause de blessures ou de maladies encore cette nuit. Donc on a fait un petit peu ce soir corps. On n'avait pratiquement pas d'attaquants. Puisqu'ils étaient tous restés à Amiens, donc ça a été très compliqué. Heureusement, ceux qui ont joué dans un schéma un peu particulier, parce que c'est la première fois qu'on jouait sur ce schéma-là, bon, on a su relever le défi. Après, je crois que ce soir, on a surtout bien défendu. Après, le bon point, c'est un bon point sur le plan comptable, parce qu'on savait cette équipe de Châteauroux redoutable. Elle a montré depuis une série maintenant, elle a montré aussi ce soir. Et je crois qu'on est très heureux d'avoir pris ce point. Il y a de la frustration, forcément, de par l'emprise qu'on avait sur le match et le fait de mener au score, c'était légitime d'espérer l'emporter. Maintenant, c'est encore les progrès qu'on doit faire. Savoir mener, c'est une chose, et savoir garder le résultat, c'en est une autre. C'est là-dessus qu'il faut encore travailler, progresser. C'est pas du tout un coup d'arrêt, parce que la qualité et le contenu est là. Et on a mené au score, on a du contenu. On a beaucoup essayé, on prend un but sur une demi-occasion adverse. Bon, voilà, il faut accepter, faut l'accepter. Aujourd'hui, il faut l'accepter et puis il faut redoubler d'efforts pour réussir à que ça n'arrive plus quand on mène 1-0.